Bonjour et bienvenue à tous nos bons camarades de la presse écrite, la radio, la télévision. Alors ce matin, ce sont les femmes du Parti travailliste et PMLT, de notre alliance, qui nous convoquent ce matin pour nous faire les presse. Et la première des choses, nous les tous ensemble, en tant que femmes, exprime une profonde indignation vis-à-vis du comportement du leader de l'opposition Paul Béranger vis-à-vis les femmes par rapport à la PNQ et les réponses données à ce PNQ hier à l'Assemblée législative. Profonde indignation vis-à-vis de son comportement vis-à-vis des femmes. Et là, nous propose en tant que femmes. Nous considérons qu'il est autant plus déplorable encore et indigne de sa part quand lui qui prétend être le leader d'un parti soi-disant progressiste, avant-gardiste, en ce qui concerne l'émancipation de la femme. Nous saisissons l'occasion ce matin aussi pour faire rappeler de certains dérapages et prises de position du MMM dans le passé. La population remarquait au cours de la dernière, nous prenons l'exemple de la dernière campagne électorale, des élections générales en 2010, à quel niveau de bassesse, de dénigrement, de zéclamour que l'opposition peut faire jusqu'à même une prête par madame, candidate de l'Alliance Travailliste PMLT, avec cette place. C'est l'abattoir. Alors, pour les femmes, pour les politiques, le plan, c'est l'abattoir. Tout ça finit là pendant les dernières années. De l'autre côté, nous trouvons utilisation abusive des médias sociaux. Venant Facebook, côte matin et soir, dénigrer par l'adversaire et dans l'adversaire, la femme qui va le premier victime, dénigrée par la femme. Et nous dire aussi à haute voix ce matin qu'il y a même un épisode bien grave pendant les dernières élections municipales là, qui MMM, parti soi-disant avant-gardiste, puis une révise prend position pour bonne raison purement électoraliste. Vous rappelez-vous? Si elle a un brillé, vous rappelez-vous? Qui sait bien dire? C'est bien dire qu'il va une femme faire la place dans la politique. Qui va une femme viser reste la case. Qui aime même faire? Je pose la question, pas de noise, Carlos. MMM, et surtout la madame MMM, et encore le MSF, à aucun moment, pas condamne sa prise de position passéiste et rétrograde, qui s'éloigne du faire du navire. Ça va être ouvert là. On peut péter où on voit l'émancipation de la femme. C'est comme ça qu'on peut faire ça. Donc, encore une fois, nous trouvons un profond changement dans la mentalité même du MMM. Je peux changer même multijours, je peux changer. Mais changer pas pour le meilleur, je peux changer la mentalité pour une partie plus rétrograde et antipathe, carré.
anti-femme. Aujourd'hui en décembre, l'année va terminer. L'histoire nous reconnaît que l'année 2012 fut une année historique en faveur de la femme mauricienne, surtout dans son rôle dans la vie publique. C'est-à-dire rentre carrément dans la même politique. Qui fait vous dire ça? C'est parce que le gouvernement, le premier ministre, le docteur Nabil Ramdoula, puis faire amène et la loi révolutionnaire. Et avant-gardiste pour permettre à madame jouer un rôle encore plus important dans les administrations régionales. Et ça nous trouve, nous trouve cette dynamisme dans les dernières élections, que ce soit les élections villageoises et les élections municipales. Ça c'est nous, ça c'est le gouvernement. Pour permettre à la femme mauricienne une meilleure place dans la vie publique. Mais c'est incroyable qu'hier, le 18 décembre, le leader MMM, et ne pas oublier sur le passé, lui qui n'assume les responsabilités d'être premier ministre, le leader du MMM, le leader de l'opposition qui est le leader du MMM, qui fut le premier ministre dans le passé, ben il vit hier avec un PNQ. Et un PNQ pouvait carrément justifier l'acte d'un activiste MSM, un homme, qui fait permettre une prendre photo et madame, sans madame la sous permission. Ça c'est incroyable ce qui nous trouvait dans Paul Mandy. Un PNQ qui vient justifier l'acte d'un homme activiste du MSN qui permet lui prendre photo et madame sans permission. Nous, les femmes de l'Alliance Travail Sperité, c'est inacceptable. Ça veut dire clair. Et MMM, MSM, fait encore servir femmes pour objet. Les olives nous tiennent sur photo, ils font ce qu'ils ont envie de s'abrer. Femmes objet en l'an 2012, mais c'est pas possible. Pour les Maurice modernes, vous autres. C'est pas possible. Et là, nous pose la première question à cet activiste du MSM là. Qui donc pourra le faire avec sa photo? Mais Olive, à la plaire. Qui donc pourra le faire avec sa photo là? Qui est au but? Qui est là de la tête? Qui directive qu'on gagne de ton parti, de ton leader? Et aujourd'hui, nous connaissons qu'on prend une photo comme ça, le portable. Quelle qualité perversion peut faire tous les jours dans les médias sociaux, Facebook, YouTube, et dans les films. Et parfois aussi un jeune. Donc, vous considérez le but clair. C'est pouvoir nous dire c'est inacceptable et nous condamne cet acte. Et le leader de l'opposition, Inili,
pour venir justifier cet acte-là au Paul Montpierre. Ce qui est plus scandaleux encore, au lieu que M. Bérangé condamne ça, activiste MSM-là, les protestés, Paul Bérangère, les protestés, bien, il répondit une fausse question, et clairement montrez-vous, les protestés, qui fait sa madame-là, il saisit sa déportable-là, et il remet ça à la police. Maman, dire et madame qui ne pas en dit où, non? Il condamne sa madame-là et sa déportable-là. Pour sa madame-là, là-dedans. Quand madame-là, elle réagit à ce place pour dire qu'il n'est pas correct, pour prendre ce côté le portable, etc. Et dans la discussion, madame-là, elle saisit sa déportable-là et elle remet ça à la police pour permettre la police de se montrer. Vous dérangez, elle condamne ça. Donc, madame-là, elle a droit de faire ça. C'est rien qu'il veut dire. Correct, monsieur Anne, c'est son côté. Elle fait ce qu'il a envie de faire, ça, mais on veut dire correct. Il a associé lui à sa acte-là. Ou elle fait ça, protège la femme. Donc, au lieu qu'on donne sa zone activiste qui fait un acte pareil, le leader de l'opposition condamne madame. Nous pas trouver ça normal. Est-ce que la population trouve ça normal? Victime, vine passe pour coupable. Alors nous répondons à une question encore. Qui voulait? Si ou elle, madame? Elles ont venu, ils ont envie de prendre photo. Prendre photo. Comme elle, madame, qui vous fait? Vous vous acceptez? Vous vous êtes subi à le coup? Vous vous êtes soumise à cet acte-là? Alors, parce qu'il y a une femme, c'est quoi? C'est ça, le sexe fait, tout ce que je veux dire? Non, aujourd'hui, c'est différent aujourd'hui. Et quand nous causons égalité de genre, nous cause égalité de chance. La femme n'est pas traitée comme sexe faible dans ce pays. Qui sont qui type d'accord? Ils sortent. Sont maman. Sont femme. Où se sert? Il y a une banque harcèlement et un traitement pareil dans le monde. Ça veut dire tirer photo de femme du sexe féminin à n'importe quel. Ça va faire d'un pays civilisé. Si nous tiens un pays barbare, nous laissons aller. Mais non! Nous, une société civilisée. Enseignement. Bon, tirer photo, est totalement inacceptable. C'est un enseignement, hein? Enseignement ne veut pas dire verbal. Ou en s'élève du monde, tout verbal. Ou faire tirer photo, lui dire, ou pas faire ça, retourne sa caméra là, vous avez vu ça, ou continuer, ça c'est en s'élève sa femme. Donc, vous dire que sa qualité en s'élève là, lui condamnable, elle sur le plan de la moralité, mais aussi sur le plan légal. Nous connaissons qu'il y a pas très lourde sanction contre des gens qui harcèlent madame. Et sanction-là, elle est encore plus grave sous le ICT Act. Quand on utilise téléphone ou les autres gadgets électroniques pour harceler madame et madame. Donc, au lieu que M. Bérangé, qui me dit au début, passe tout sur les temps, montrer lui comme une personne très progressiste,
au lieu qu'il condamne ce cas de harcèlement contre une madame, lui dire, monsieur MSM là, mais on a raison, c'est tout ce que vous continuez à faire ça. Et où là, quand elle a même une raison. Qui sont là pour le béranger et se défendre? Il peut défendre un ticket qui lui-même, il finit accepter qu'il est fané. Parce que dans ma première discussion avec intervention de la police et tout ce jour-là, il a accepté, l'activiste MSM là, qu'il y prend photo sans permission. Et Béranger peut venir dans le Parlement pour défendre un ticket sans fait. Donc, il est triste à voir comment un ancien premier ministre il acceptait d'une façon à mettre le rôle de Chief Dirty Tricks Officer. Il devient un titre, d'être le Chief Dirty Tricks Officer du MSM. Il ne faut pas trouver au même journal. Les mêmes étudiants qui m'ont allégé par un pivot. Ils ont dit, Béranger, voilà, faute fréquentation avec journal, il a même Béranger qui est le même chose. Ça veut dire, le ténard a une vision maintenant commune. Parce que journal qui dit ça, Béranger aussi, il faut plus là-bas. Là, il a produit, c'est un complot, tu vois, du matin, je vois, le PM est complot. Mais pas celle ou pas. Pour lui mettre devant une complicité. Je peux dénoncer le matin et le soir quand il a pu dénoncer. Alors, comment me dire, Littrix, qui MMM, il choisit hier, le 18 décembre, pour poser sa pièce, pour la poser, justifier un activiste du MSM d'être appareil. Et nous tout connaît. Au lieu d'une perdre les temps avec un PNQ comme ça, 30 minutes au Parlement, nous tout connaissons un plusieurs sujets d'intérêt national qui sont capables de débattre au Parlement pour avoir une question. Mais qui a photo femme sans permission pour ça, un sujet national, c'est la bassesse. C'est la bassesse. Et voilà à qui niveau Béranger, MMM, et complice, MSM, ils descendent aussi dans la même politique. D'ailleurs, ben, MSM, ils trouvaient Béranger peut faire ce travail hier tellement bien. Une question, je ne sais pas, poser dans sa pièce là. Ça fait d'un 100% même correct, Béranger, c'est une question correcte. Et si Jacques Nath qui a pu se diviser pour poser une question, tout. Je fais admire. Et fait justifier pour mal complice sa question qu'il posait, et ma réponse, et ma supplémentaire, etc. Moi, si je suis dans cette grosse panne MSM là, je suis dans la midi là-bas. Moi, si je suis là-bas, la première des choses, je vais dire bravo, Paul, nous sommes fiers de toi. J'aime ta dire. Parce qu'il m'a compris ça. Donc, sa manœuvre de Béranger, il y a un Parlement là. Il refait croire qu'il y a une madame, qui est madame, travailliste, qui a illégalement, il n'y a pas de comment faire aller, pas de question qui peut poser. Hier, il fait la population, comment dire, pour moi, qui sa madame en question, qui le fait tient ce côté-là, lui qui présent illégalement dans le centre de dépouillement à l'école Dr Maurice Curé, à Marcois, le jour du counting, c'est-à-dire lundi le 10 décembre.
de la collection Le Distance. Bien, il s'est trouvé, il s'est fait comprendre à la population. Parce que c'est une question. Si c'est madame là, si là-bas, on veut dire illégalement qu'il peut payer là-bas. Mais non, ça active ça. Mais les gens résistent, vous autres. Comme un counting agent. Et les gens ont ce badge qu'ils remettent pour la commission électorale. Et les procédures, ça, dans toutes les élections. Et les procédures à faire avec la commission électorale, où soumettre un nom ou un formulaire devant une personne qui peut faire counting. Et le jour du counting, pour partir pour l'alliance. Mais madame là, c'est madame officiellement, ce nom soumet et la commission électorale, il donne ce badge et tout. Et là, il y a des bonnes questions, est-ce qu'il y en a pas, il est là illégalement. Mais vous trouvez, ce qu'ils m'ont envie de dire, c'est d'un seul coup, vous trouvez, comment dire, pénal limite. Excusez-moi de me dire ça. Pénal limite dans capacité MMM et MSM pour humilier du monde. À n'importe quel point ça. Pénal limite pour insulter, pour humilier, pour insulter, pour zéter la boue. Et des femmes encore plus, mal madame. Donc nous, mal madame, une partie travail et PRSD, nous mettions ce matin, qui nous peut toujours exprimer nous et condamner avec force et montrer nous profonde indignation à un tel comportement de l'opposition à l'égard de la femme Morissette. Ce n'est pas la première fois que nous prenons position. Plusieurs fois qu'on finit la bande dérapage du MMM, de l'opposition, au Parlement, en dehors au Parlement, nous l'insister et nous dire qu'ils n'ont pas d'accord et nous condamnent cette fois. Si ça continue, nous partons autre choix qui nous attire aussi la communauté internationale qui traitement réservé à la femme mauricienne. Par les politiciens du bord de l'opposition. Alors voilà ce qu'il a voulu exprimer ce matin. Et nous espérons que la population maintenant juge dehors, parce que nous donnons pour la transparence, nous pour la vérité, nous pas pour venir là pour faire bla 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 bla. Nous venons là parce que nous sentons blessés. Ça peut arriver à n'importe quelle femme. Ce n'est pas parce qu'il arrive ça tout en guidé qu'il nous prend position. C'est qu'il arrive, il est capable d'arriver à n'importe quelle femme. Il est capable d'arriver dans la famille, à n'importe quelle épouse, quelle maman, quelle soeur, quelle fille. Mais est-ce que l'homme permet des choses? Alors, si ce n'est pas clair, je suis là pour l'éclaircissement. En tant que cause des droits de la femme, hier, dans le Parlement, le Premier ministre nous cite le nom de Mme Radini Radjou, à l'égard du projet rendu. Est-ce que vous nous dans quel contexte c'est qui perd une. Mais quel nom, Radini Radjou. Oui. Vous avez dit ça à l'égard du projet rendu. Radini, dans quel contexte c'est qui perd. Vous connaissez, les temps, question peut venir, réponse peut venir. Mais le Premier ministre nous cite un nom. Comme exemple, parmi tant d'autres, parce que le nom, ça montre qu'il est cité là, il est par rapport au nom de Ananda Raju, qui fait citer tous les jours par le MMM, qui pouvine le maire de la ville lumière. Donc, M. Ananda Raju, il faut qu'on entende. Voilà le nom que tu nous sortis, il s'écrit comme un exemple parmi tant d'autres. Et nous, femmes de l'Alliance MSM, nous posons la question maintenant, mais toi, Béranger, qu'est-ce que tu peux faire si vraiment ça t'est arrivé, comme dit le Premier ministre, qu'est-ce que tu peux faire
poursuivrai même, ça, tu y arrivais. Ça veut dire, le maire, soi-disant le maire potentiel de la ville de Curtif, le préféré du MMM, Alain Daradjou, avait dit ça, tu arrives sur madame. Alors, toi, Bérangé, t'es super. Tu es allé? Un petit peu comme vous pensez bien, c'est simple. C'est un nom qui vient comme exemple parmi tant d'autres qui le PM nous fait dire. Et nous, nous posons la question là, Bérangé, qui t'opère? C'est vrai, ça. Qui arrive, qui a? Mais ça ne pose pas la question du prix public, du prix privé, quand on est dans la politique. Parce que le gouvernement, il a dit tout ça, ce n'est pas la première fois qu'il va l'appeler au Facebook, il a un petit peu de disposer. Et si maintenant le gouvernement vient avec un loi, il y a bon, ça, c'est dans le domaine public, ça, c'est dans le domaine public. Vous savez, il y en a plusieurs, la loi qui peut respecter dans, n'importe qui, homme et femme, vie privée ou non, mais là même là, mon texte parle ben la loi de ITA, etc. Mais mon pensée, ben la loi vient elle fausse et côté là pour protège n'importe qui, que ce soit l'homme et encore plus la femme victime. Parce que la fois dernière, nous disons ça, nous trouvons ben dérapage au Parlement qui ne vient pas, nous avons pas un exemple de tout ce qui n'est arrivé. Peut-être que l'un peut préciser quelque chose, mais c'est quoi du public du privé. Comme elle dit bien, c'est pas une journaliste qui interprète. Parce qu'un activiste, c'est qu'il a, quand il veut programmer le là, mais en fait, problème quand journaliste interprète. C'est pas une journaliste qui interprète. C'est un activiste, un agent MSM, un homme qui peut pointer sur caméra sur le visage d'une femme. Moi, personnellement, moi, une femme publique, moi, une politicienne, c'est dans un problème, je m'en ai fait quelques dollars. Mais qui demain, vous êtes en camping, vous êtes en camping, pas n'importe qui du monde qui rentrait. Vous êtes en bas, je crois, chez l'Aïdir, ou en registré, les journalistes sont là pour faire le travail, il n'y a aucun problème. Mais chez la personne journaliste, il est voyeur. Moi, une femme publique, une politicienne, qui demain, ou n'importe qui d'entre nous, nous donne un espace, connaître un zon adversaire, c'est un zon, mais nous, moi, je vais prendre au table de une vingtaine de photos. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est pas du public, ça, je suis désolée. C'est une intrusion privée. C'est pas une journaliste qui fait ce travail. Il y a une grande différence dedans. Et c'est ça la différence. Selon le texte, différence, ça dépend d'une telle dimension. Madame, la connaissance victime de cet acte barbare de ce quelqu'un activiste du MSM, l'Union réagir. Il fait ce qu'il vient faire. Les femmes subissent ça. Mais déranger, il faut être fier. Vous voulez être fier. Vous, c'est pas une simple question parlementaire. NPNQ ne sont plus dans l'agenda du Parlement pendant les séances à l'Assemblée nationale. Alors, qu'est-ce qui est rangé de ça? C'est une question d'ordre national. On peut dire combien de sujets d'ordre national que tu peux imposer. Par rapport à le format du président, si je vois que je fais une femme à la tête d'un district council, nous passons par ton pépin en personnage, corrige-moi ce que vous faites. Et là, on a une femme ni présidente, ni assistante. Ça peut être une femme. Non, mais tout ça, il faut venir. Parce que là, on a la loi, on a un village, on a un municipal, un mandat de 6 ans, ban district council président, ban maire des villes, tout un mandat de 2 ans, et après 2 ans, il y a l'autre, Donc, ban jeune qui rentre, il a une expérience de tout le travail, de tout le rouage. Et avec l'expérience, ça a quelque dans ce sens. Le district council est là.